Je vous ai promis des mots, des lectures. Nous commençons tout de suite. Et nous commençons par Touriste de Julien Blangras. Et j'appelle Xavier Béja à mes côtés pour cette première lecture. Interlude parisien, où l'on atterrit dans la vie normale. Descendre de l'avion, marcher dans les couloirs, anesthésié par le vol. Suivre les panneaux, contrôle des passeports, prendre les bagages, ne rien déclarer à la douane. Fumer, le ciel est gris, c'est Paris. Écouter les messages, choisir un chauffeur de taxi africain pour adoucir la descente. Écouter France Inter parce que le chauffeur écoute France Inter. Autoroute sans trous ni bosse, embouteillage, apercevoir de loin la zone périphérique, odeur de Paris, ma rue, mon immeuble, mon ascenseur, passer la porte, poser les bagages, être chez soi. C'est important d'avoir un chez soi. Faire une lessive, appeler ma mère, essayer de dormir, impossible de dormir, impossible de lire, rester assis dans un canapé devant un téléviseur éteint. Je n'ai pas encore atterri. Retrouver le confort, le Nutella, l'eau chaude et l'être aimé. S'endormir contre une peau parfumée et dans le matin calme, ouvrir les yeux sur la douceur de l'aurore. Retrouver ses amis, identiques, revenir différents. Alors, ça s'est bien passé? Raconter un voyage sans plaisir, impossible entre deux verres. Tenter d'esquiver, c'était super. Variante, c'était intense. Silence, ça ne suffit pas, il faut développer. Utiliser la technique des trois anecdotes. Une positive, une négative, une positive. Finir sur une bonne note, tout le monde est content. Reprendre le cours d'une vie normale. Passer des coups de fil, retrouver du travail, retrouver une routine. Prendre le métro et écrire des choses sans le moindre intérêt. Rapidement se dire que ce n'est pas normal de vivre de telles vies normales. Laisser passer des jours qui se suivent jusqu'à se ressembler. Laisser passer des semaines. Je ne suis jamais allé au Pakistan. Ne pas savoir quoi répondre quand on s'entend dire « tu as l'air ailleurs ». Éviter les cartes trop tentatrices. Je ne suis jamais allé au Paraguay. S'étioler dans la grisaille, faire bonne figure. S'effondrer dans un supermarché. Trouver des dérivatifs, comme sortir jusqu'au matin, comme réviser ses atlas, comme effectuer des actions absurdes pour narguer le quotidien. Sortir en short dans les rues de Paris et demander la direction de la Tour Eiffel. Prendre des photos de la Concorde en parlant japonais. Dîner place du Tertre. Se rassurer. J'habite la ville la plus touristique du monde. Je suis à ma place. Je ne suis pas à ma place. Je ne suis jamais allé au Libéria. Je ne suis jamais allé au Kazakhstan. Je ne suis jamais allé au Mozambique. Contenir son agitation. Avoir peur de mourir. Garder un calme apparent. Prendre son mal en patience. Prendre feu. Prendre un avion.